Mbappé serait-il un petit cachotier début juin, invité de l'émission Au Tableau, le footballeur assurait être célibataire. Et de surenchérir auprès du Parisien que son temps libre était consacré au ballon rond, je me repose en regardant d'autres matchs. Toute ma vie tourne autour du foot, je vis, je mange et je dors football, ce sport est plus qu'une passion, il prend toute la place. Difficile donc d'imaginer une petite amie dans l'histoire. D'autant plus qu'il vient de passer un mois en Russie, où avait lieu la Coupe du Monde 2018. Le 15 juillet dernier, les Bleus se sont imposés face à la Croatie lors de la tant attendue finale. Une victoire célébrée tant par les Français que par Emmanuel Macron et bien évidemment par les joueurs eux-mêmes. Depuis leur retour, bon nombre des hommes sélectionnés par Didier Deschamps sont rentrés auprès de leurs compagnes et enfants respectifs. Puis de Kylian Mbappé, les rumeurs vont bon train pour celui qui a été fermement recadré par Didier Deschamps. Tout le monde le voit en couple. Et de nombreux noms de potentielles compagnes sont évoqués. Le jeune homme de 19 ans a tenu à faire une mise au point quant à ses ragots. Dans une story publiée sur son compte Instagram, celui qui a fait preuve d'une grande générosité a partagé une couverture d'un magazine qui s'interroge sur sa vie sentimentale. Photographie qu'il a simplement légendée d'un « le mensonge est un vilain défaut ». De quoi mettre un terme aux rumeurs. Story Instagram Kylian Mbappé crédit photo, best image.